4. Ah non, je vois 3, rien avec ça. 2, 1, passez. Elle est longue, hein. Alors pour vous dire quelques mots de conclusion, mais ce sera une conclusion temporaire, de la part de l'association que je préside, l'association des amis du mémorial de la Marseillaise, tout près duquel vous avez pris votre départ sur le vieux port de Marseille, près du cube M, qui est un pavillon éphémère érigé pour l'Euro 2016. Je voulais vous remercier d'abord et surtout la Ligue d'athlétisme de Provence, en laquelle, avec Guy Arcamon, nous ne serions pas là, et avec le parrainage d'André Giraud. La FSGT aussi, M. Tailleux, qui est avec nous, merci. L'OSCC qui nous accueille, M. Cayol, merci pour le micro. Et puis évidemment l'Athlédex. Et enfin, la Légion. Je crois que ça a beaucoup impressionné sans doute tous les automobilistes qui vous ont croisé cet après-midi et qui ont dû se poser la question de qu'est-ce que c'était que cette démonstration. Et ce que je voulais lui dire d'abord, c'est que d'une part, tous les remerciements
qui vous sont adressées pour vous être engagé et pour avoir couru cette course, et surtout pour vous dire que cet engagement n'est que le commencement d'une grande et vaste opération autour de la Marseillaise qui se poursuivra, si tout va bien, car vous savez que les questions de sécurité sont quand même un peu particulières ces temps-ci, en particulier concernant Paris, où j'espère que vous aurez aussi l'occasion d'arriver triomphalement pour la fête nationale du 14 juillet dans quelques semaines. Ce sera un peu une forme de récompense et d'hommage à votre engagement dès le départ, de nous avoir fait confiance dès le début et de vous être donné physiquement en courant cette course. Puisque le départ a été donné à Marseille, mais vous savez que tout le sens de ce que nous faisons, c'est d'entraîner tout le pays, les territoires, à s'approprier, à se mobiliser, à se fédérer, pour comprendre pourquoi la Marseillaise est un emblème, pas seulement historique, mais pourquoi c'est un emblème important aujourd'hui, pourquoi elle continue d'avoir du sens, pourquoi, lorsque les Français sont attaqués, ils la chantent dans les rues, à travers le pays, de manière spontanée, pourquoi on l'entend aussi à l'étranger, à l'initiative des Américains, des Australiens, des Hongkongais qui la chantent, c'est parce qu'elle reste encore un emblème universel de liberté, et c'est précisément cette liberté qui est attaquée par tous les événements que l'on a subis en 2015. Donc c'est parfaitement actuel, il y a l'histoire, il faut se ressourcer dans l'histoire pour savoir qui on est et d'où on vient, mais aussi savoir où on va, et où on va c'est défendre ce que la Marseillaise, dans la guerre et dans la violence, parce que la liberté ne tombe pas du ciel, a voulu incarner et continue d'incarner pour beaucoup d'hommes et de femmes en France et à l'étranger. Voilà pourquoi donc le départ de Marseille, traverser les territoires, fédérer autour de nous tous les tissus associatifs, sportifs, les autres ligues, les fédérations et aussi les unités militaires et le sport militaire jusqu'à la capitale où la Marseillaise est devenue le chant national et ensuite l'emblème universel dont je viens de parler. Donc je vous donne rendez-vous. Je l'espère. Nous y travaillons d'arrache-pied et on va continuer dans les jours qui viennent pour que vous puissiez connaître le même chemin. Il sera beaucoup plus court en plus celui-là et a priori il fera beaucoup moins chaud, quoi qu'on ne sait jamais. Le 14 juillet, en principe, nous serons accueillis sur le parvis de l'Hôtel de Ville avec l'ensemble des défilants du 14 juillet pour la fête nationale. Et bien entendu, j'espère aussi en 2017, l'année prochaine, où le sport sera encore très présent avec les candidatures françaises au JO, avec la capitale européenne du sport, je l'ai dit tout à l'heure à Marseille, pour rééditer, mais cette fois-ci sur tout le chemin, sur toute la longueur, à travers le pays, de Marseille à Paris, ce grand relais de la Marseillaise. Merci encore mille fois.